Je me nomme Bléboli Félix, chef du village de Gorodo. Le 13 mars 2007, que j'ai été élu démocratiquement vis-à-vis de ma population dans ce village. Aujourd'hui, je suis à la tête de ce village. En totalité, je ne peux pas relater toute l'histoire de ce village. Mais à ma connaissance, je fais l'histoire brièvement. Les premiers descendants, ils étaient dans un village, le premier village, Grosso, qui était de l'autre côté là-bas, vers Djidoko, sur la côte. Après quelques années, ils ont vu que le développement venait vers ici parce qu'il y avait des certains, quelqu'un qui disait que des années plus tard, il y aura la grande route qui sera passée ici. C'est ainsi, les parents ont décidé et puis ils sont venus sur ce site. Depuis 1947, que les parents sont quittés de l'autre village et ils sont venus ici. Dans ce village, le premier chef, il s'appelait Tétéka Boueli. Après Tétéka Boueli, il a eu Tétéka Egei Sylvain. Après Tétéka Egei Sylvain, il a eu Boueli Akafou. Après Boueli Akafou, il a eu maintenant Blé Boueli Félix, aujourd'hui qui a le trône dans ce cité. Mais depuis la création de Gros, Gros a eu la compétence, la valeur avant d'autres villages. On en parlait beaucoup de ce village. Le village était immersé, un village touristique où tout le monde croyait que par Gros, il faut commencer pour avancer et avoir la réalité. Gros a eu école avant d'autres villages. Presque la région de Gbeiri et la région de Ouata, les cadres d'aujourd'hui, pas mal, qui ont fréquenté dans l'établissement, dans le sein de choses de Gros. Mais jusqu'à aujourd'hui, les autres villages, ils ont eu succès dans l'amour de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis chef. Quand je vois l'histoire de ce que on m'a relaté, je sais que mon village n'a pas bénéficié à la réussite telle que Dieu voulait. Joël Crasso, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, un envoyé de Dieu, l'homme qui passe dans la voie de l'Éternel, par le pouvoir de l'Éternel Dieu Jésus-Christ, qui a toute puissance de délier les mauvais esprits, qui fait que le village n'avance pas. Après beaucoup d'analyses, j'ai réuni mes administrés. J'ai réuni mes petits cadres qui sont avec moi dans ce village. Je leur ai demandé: voilà quelqu'un qui existe et qui vit et qui travaille dans la région de Ouata. Je souhaiterais que nous décidions ensemble pour vraiment l'un des jours qu'on l'invite afin qu'il vienne pour nous libérer. Et c'est ainsi, mes administrés, ils m'ont donné la confiance de me battre afin que Joël Crasso, qui vient dans ce village, le prophète Crasso. C'est pas facile. C'est pas facile pour les choses qui vont venir en bien. On s'est combattu. On s'est battu. Et aujourd'hui, Joël Crasso
il est accepté de venir dans mon village. C'est parce que rien ne marche. Toute entreprise, les démarches que nous entreprenons pour faire vivre dans le meilleur de notre village, rien ne va. La fois dernière, avant-hier, j'ai eu à déclarer, on a eu nos dispensaires qui est mise en place depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas fonctionné. Le quartier qu'aujourd'hui que nous vivons ici, il n'y a pas d'électricité. On ne sait pas, avec les plusieurs démarches que nous avons fournies de Yiré, de Gagnewa, d'Abidjan, les promesses viennent seulement, mais il n'y a pas de réalité. C'est pour ça que Joël Crasso, moi et ma population, mes administrés, mes cadres, nous avons souhaité afin qu'ils viennent dans ce village pour délier les mauvais esprits qui sont en fonction et qui travaillent contre le bien de ce village. La fois dernière, je lui ai remis les clés en parole, pas en action. En parole, je lui ai remis les clés de mon village. Il a la possibilité de nettoyer toutes les chambres, de nettoyer tous les côtés, les coins qui bloquent moi, mon village. C'est pour ça, Joël Crasso, je l'ai invité dans mon village afin qu'il m'aide. Voilà les points dans lesquels que je l'ai invité, moi et mes administrés. Merci. S'il y aura encore d'autres questions à répondre. Avez-vous un appel à lancer à la jeunesse de Gros? Oui, la jeunesse de Gros. Bon, je les interpelle parce que je ne suis pas loin de la jeunesse. Je ne suis pas loin de la jeunesse quand je le dis cela parce que je suis en harmonie avec eux. Donc, je les demande à ce qu'ils appliquent aussi et ils mettent les efforts pour que vraiment notre village soit développé dans le sens et à l'opportunité. Je vous remercie.